Et salut à tous et bienvenue dans ce nouveau top 3 dans lequel je vais vous présenter les meilleurs frigos américains. N'hésitez pas à voir la description dans laquelle je vous ai mis les offres et les liens des produits. Et maintenant c'est parti pour le top 3. Tout d'abord voici le frigo américain de LG. Ce modèle est doté d'un design spacieux qui comprend un réfrigérateur et un congélateur. Le réfrigérateur est de 394 litres tandis que le congélateur est de 197 litres. Ce frigo américain dispose de super fonctionnalités, hein. On a ici un frigo qui va être super pratique pour ranger tout type d'aliments. Voilà, il est bien grand, hein, donc on a tout ce qu'il faut, étagère réglable, compartiment de porte, tiroir, etc. Cependant, le bémol, eh bien, c'est que c'est un frigo américain qui consomme beaucoup, hein, avec une classe énergétique F. Ça consomme du fait notamment d'avoir un congélateur qui est énorme, parce que c'est ça qui va venir consommer le plus. Mais voilà, si vous avez une grande famille, ça reste quand même des appareils qui sont très pratiques et qui permettent, voilà, sur une petite consommation en plus, c'est bien de pouvoir faire des plus grosses courses, voilà, et de tout simplement stocker un peu plus, ce qui va permettre de moins faire des courses au quotidien, et ainsi de dépenser moins en courses, mais vous consommerez un tout petit peu plus d'énergie. Voilà, ce sont des calculs à faire, mais ça reste quand même des appareils qui sont très pratiques, notamment quand on a une grande famille. Ensuite, nous avons le frigo américain de Gorange. On a ici un modèle très spacieux là aussi, hein, avec un frigo de 339 litres et un congélo de 169 litres. On a de super fonctionnalités. On a un frigo qui consomme là aussi un peu, hein, mais un peu moins que le modèle précédent. On est sur une classe énergétique E. Donc voilà, la consommation est un petit peu moins excessive, mais ça reste quand même un gros modèle. Donc encore une fois, ce sont des calculs à faire en fonction de vos préférences. Si vous aimez bien faire des grosses courses toutes les deux semaines et de tout stocker, eh bien ça reste vraiment super pratique d'avoir un grand frigo congélo de ce type. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il est doté de la technologie No Frost qui évite la formation de givre et élimine ainsi le besoin de dégivrage manuel. Ça, c'est vraiment très pratique, surtout quand on a un congélateur de cette taille. Il offre également une fonction de refroidissement rapide pour préserver la fraîcheur de vos aliments plus rapidement. Et enfin, voilà le frigo américain de Siemens. Ce modèle est conçu là aussi avec un réfrigérateur et un congélateur. On a une taille de 368 litres pour le réfrigérateur et 192 pour le congélateur. Encore une fois, je le répète, hein, on a du coup un appareil qui consomme un petit peu, classe énergétique E. Voilà, ça reste quand même un modèle qui est super pratique et qui est surtout très beau, hein, en acier inoxydable, vraiment très pratique. On a aussi la technologie No Frost, donc très pratique pour ne pas avoir à faire de dégivrage. Ce qu'on apprécie particulièrement sur ce frigo, c'est notamment le fait qu'il dispose d'un distributeur d'eau et de glaçons pour un accès facile aux boissons, et bien rafraîchissantes, notamment en été, c'est super pratique. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vous avoir été utile pour faire le bon choix. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu, un commentaire et vous abonner à la chaîne, ça me touche beaucoup. Comme je vous l'ai dit en introduction, n'hésitez pas à voir la description dans laquelle je vous ai mis les offres et les liens des produits. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau top 3.